Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans cette série de sciences physique-chimie où je vous propose d'aborder l'énergie cinétique avec quelques exemples et une application numérique. Tout ce qui bouge ou qui est en mouvement, comme par exemple une éolienne, une voiture qui roule ou encore une balle qui tombe, possède une énergie cinétique due à la transformation d'une énergie potentielle, c'est-à-dire un potentiel d'énergie, ou encore une quantité d'énergie disponible qui va se transformer donc en énergie cinétique. Voyons cela au travers quelques exemples. Avec le vent ici qui souffle, ici c'est une quantité d'énergie disponible, donc c'est une énergie potentielle. Va souffler sur les pales donc de l'éolienne qui va se mettre en mouvement, donc la transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique. Un autre exemple avec une balle que je vais donc soulever jusqu'à une certaine hauteur, qui va donc lui conférer une énergie potentielle. Tant que je ne lâche pas, il ne se passe rien. Dès que je lâche, la balle est en mouvement avec une certaine vitesse et ici la balle acquiert une énergie cinétique due à cette transformation. Dans ce cours, intéressons-nous à l'énergie cinétique, grand E, petit c, qui se définit comme l'énergie que possède un corps, comme par exemple cette voiture de course, ayant une masse m et une vitesse v selon la relation 1/2 mv2, où ici m devra s'exprimer en kilos, la vitesse en mètres secondes moins 1, qui nous donnera donc une énergie cinétique en joules. À titre d'exemple, prenons une voiture comme celle-ci avec une masse m de 1 tonne et une vitesse constante de 90 km/h-1. L'énergie cinétique est égale à 1/2 mv2. L'application numérique est la suivante. 1/2 donc de 1000 puisque la masse s'exprime en kilos. Quant à la vitesse, 90 km/h, ça nous donne 90 × 10^3 sur 3600 pour avoir cette vitesse en mètres secondes, ce qui veut dire 25 mètres secondes au carré, soit 625 000 joules ou encore 625 kilojoules. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt.